Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir des mystères et mini de petites sirènes comme ceci, des mystères et mini. Il y a longtemps j'en ai plus ouvert, du coup voilà, j'ai trouvé ceux-là. Du coup je me suis dit pourquoi pas les ouvrir. J'en avais déjà ouvert sur la chaîne et je voulais finir la collection, j'aimerais bien les avoir toutes quand même. Du coup on a Polochon, la petite sirène, Sébastien, la petite sirène en robe de nez, en robe de mariée. Je ne sais plus son nom. Je reviens jamais sur son nom. Du coup, on voit toute la collection. Une sur 12 pour la petite sirène. Une fois sur 6, Polochon. Une fois sur 6 aussi pour Sébastien. Une fois sur 12 pour... Oh, je ne sais plus son nom. Ah, je l'ai eu en bouche tantôt. Puis on a une fois sur 12 pour en robe de mariée. Une fois sur 12 aussi avec le costume de mariée. Et une fois sur 12 avec sa robe rose. Allez, c'est pas maléfique. C'est... Du coup, on va commencer tout de suite la première boîte. J'aime bien ouvrir. C'est tout petit. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? J'ai pris mes petits ciseaux pour faire un petit entaille si ça veut bien. Hop, est-ce que on va avoir? J'essaie de pas trop toucher. J'ai senti la petite. Je tenais par ça, je me dis ça, c'est Sébastien. Voilà mon petit crabe, il est trop beau. À part sa tête, elle est fort écrasée, je trouve. Je sais pas si c'est comme ça. Je me rappelle plus du dessin animé si c'est comme ça. Mais il est trop chou! J'adore. Avec sa baguette de musique, là. Bon, c'est le moment où il fait le... la chorale. Ici, le papier n'est pas le même. Je l'ouvre, le deuxième booster. Enfin, j'en tire le petit plastique qu'il y a dessus. Le premier, je l'avais retiré pour vous le montrer mieux. Regardez, j'en ai fait. Ah. Hop, voilà. C'est pas facile. Allez, on ouvre la deuxième. J'ai même pas pensé qui je voulais le plus. Bah, en fait, je les aime tous et je voudrais bien les avoir tous. Du coup, voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième boîte. Hop. Hop. Je ne touche pas, je mets la boîte plus loin. C'est aussi, c'est pas grand. C'est quand même plus grand que tantôt. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Ah, c'est Polochon. On a vu du jaune, Polochon. Ah ouais, son azur était comme ça, je pensais pas. Il est trop bien fait. Regardez sa petite bouche. Vous n'avez pas envie de lui faire des gros câlins? Ou de lui faire des bisous? J'adore. Voilà, les copains sont réunis. Voilà, il nous ferait bien la petite sirène. Qui pourrait aller avec. J'aurais dû le retirer avant. Je le dis à chaque fois et je ne le fais pas. Voilà la troisième boîte. Je vous recule un petit peu pour pas vous. Maintenant, on va mettre Ariel. Bon, Ariel, comme ça, on l'aurait les trois là. Allez, c'est parti. On ouvre. Elle a l'air légère, cette boîte. C'est un petit encore. Ça n'a pas l'air très grand. Allez, je fais une entaille avec mon ciseau. Hop, qui on va avoir? Ah. Oh, c'est un double. Et ben voilà, celui qui veut, il va partir à l'échange ou à la vente. Voilà. Demandez si ça vous intéresse. Je le mettrai peut-être sur Vinted à vente. Voilà, mes petites figurines. J'adore Polochon, c'est celui que je préfère le plus.
quand même. Voilà. Et vous, lequel vous préférez? N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!